Rode de cette dixième journée, un match nul entre la Ajaccio et le Stade Sochaux. Quelques heures avant le ballon d'or, 0-0 score final à Ajaccio et 3ème, 9 Stade Sochaux et 7ème. Valenciennes 0, Reims 0. Valenciennes est leader, Reims est dernier avec seulement 9 points compteurs. Entre Lyon et Nantes, 0-0 score final, l'Olympique Lyonnais est 14ème, Nantes est 15ème. Entre Guingamp et Sochaux, il y a eu 6 buts. 6 buts de Claudio Beauvu en 60 minutes. Quant à la Super Bowl, le score de buts à la 63ème, cela ne change à rien. Les Sochaliens sont 7ème, Guingamp est 10ème. Entre Bastia et Monaco, victoire 1 but à 0 des Corses grâce à un but de Lesna Traoré contre son camp de l'Est. Monaco est 8ème, Bastia est 18ème, Baradis est 14 points. Entre le Stade Malherbe de Caen et Otto Longaillard, triplé de Basile, 9ème, 44ème, 52ème minute, doublé de Sorlin au 60ème et 63ème minute, Evian est 13ème, Caen est 5ème. Entre Bordeaux et Toulouse, 0-0 score final, les Girondins sont 16ème, Toulouse est 4ème. Entre la Ajaccio et le PSG, 0-0 score final, la Ajaccio est 3ème, le PSG est 6ème. Entre Monaco et Metz, 0-0 score final, l'AS Monaco est 8ème, Metz est 2ème. Le FC Lorient, 1 but à 0 grâce à un but de Wemba dans les arrêts de jeu. Et la cause de cette défaite est 9ème, Lorient est 11ème. Et entre Lens et Nice, triplé de Bonnemer, 9ème, 43ème, 59ème minute. Nice est 12ème, Lens est 17ème. La tête du classement, elle est donc pour Valenciennes. En seconde match du classement, on a passé la Saint-Etienne avant-dernier. Le programme de la 11e journée aujourd'hui avec Sochaux, AC Ajaccio, PSG Reims et le dernier match, Valenciennes. En avant-gardant.